La force du syndicat des métallos, c'est bien sûr, puis avant tout, c'est la force de ses membres. Puis la force de ses membres, c'est la force aussi du réseau qu'on a international du syndicat des métallos. Pour les multinationales, moi, je pense qu'on est un incontournable. Que ce soit ArcelorMittal, que ce soit Rio Tinto, que ce soit même Garda dans les agents de sécurité, on représente des milliers de travailleurs dans ces secteurs-là, autant du côté du Canada, au Québec, qu'aux États-Unis. C'est important pour ces travailleurs-là qui sont dans ces multinationales-là, qu'ils soient syndiqués avec le syndicat des métallos, parce que c'est nous qui les représentons partout. Il n'y a aucun autre syndicat canadien qui peut dire qu'il représente ces gens-là autant qu'on le fait partout sur la planète. Comme il est, Michel. On connaît le secteur, on connaît la métallurgie, on connaît les alumineries, on connaît l'industrie qui est lourde. C'est notre ADN, nous, aux métallos. Donc, c'est l'expertise qu'on a, c'est la compétence qu'on a de pouvoir vous représenter, qu'on vous offre. Puis vous ne pouvez pas trouver ça nulle part ailleurs. Souvent, il y a des employeurs qui vont laisser tomber la santé et la sécurité. Souvent, il y a des employeurs qui vont donner des conditions de vie qui sont inacceptables. Souvent, il y a des employeurs qui vont donner des salaires qui sont inacceptables aussi, ou qu'ils donneront peu ou à peu près pas d'avantages sociaux. Le syndicat des métallos, on est là pour ça. On est là pour négocier les bonnes conditions de travail dans les conventions collectives pour que nos membres soient respectés. C'est ça, le syndicat des métallos. Force, solidarité, solidarité, respect, respect, force, solidarité, respect. Moi, je pense que si vous voulez avoir un syndicat qui est représentatif, qui va vous donner le respect, la solidarité puis la force que vous avez besoin pour vous négocier votre convention collective, mais c'est avec le syndicat des métallos que vous allez le trouver. Le syndicat des métallos va vous représenter adéquatement, comme il l'a fait pendant les 60 années au Havre-Saint-Pierre, comme il l'a fait depuis plus de 50 ans ici à Sorel pour les poudres métalliques. On va le faire pour vous autres pour les 50 prochaines années. Je suis Alain Croteau, je suis métallo et nous sommes une grande famille. On va faire les 2,82, oui. C'est beau.